Marion, on vient de loin, c'est miraculeux. Elle a été touchée au poumon par une balle de fusil de chasse. Malgré sa blessure, elle est allée se réfugier chez des voisins. Marion dit tout le monde a été tué dans la maison. Qu'elle a dit que c'était son frère aîné, Pierre, 13 ans, qui était l'auteur du massacre. C'est une scène de crime particulièrement dure et choquante. Le corps du père de Pierre sans vie, le corps du petit frère de Pierre, Louis, âgé de 4 ans, et puis la mère de Pierre, également décédée. C'est le début de l'enquête de ce fait divers hors norme, quoi. Ils ont arrêté Pierre et ils sont tombés sur un enfant avec un visage d'ange. Il n'est pas du tout perturbé et il se livre de manière assez aisée et facile pour décrire l'ensemble de sa journée. C'est un mercredi, il est tout seul à la maison. Il était en train de faire une rédaction et en même temps, il regardait Shrek. D'un seul coup, il dit « J'ai eu l'idée de tuer mes parents ». Il va donc se passer 2h30 durant lesquelles il abat froidement un par un les membres de sa famille. Ce qui rend tout à fait singulier cette affaire, c'est le jeune âge de l'auteur, 13 ans et demi. Pourquoi un tel drame? Il n'y avait rien qui permettait de dire que ce drame allait arriver. Pierre était élève en troisième, c'est un bon élève. Il avait été enfant de cœur pendant assez longtemps. Il est passé en 2 heures d'un gamin ordinaire à un meurtrier épouvantable. Pourquoi est-ce qu'un adolescent va basculer comme ça alors qu'on n'a rien pu soupçonner chez lui? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête d'adolescent pour passer à l'acte comme ça? Courteville sur Héricourt, une petite bourgade située en Seine-Maritime. Ici, les 300 habitants profitent du bon air de la campagne normande, en toute quiétude. Mais cette tranquillité va être déchirée le mercredi 27 octobre 2004, en pleine vacances de la Toussaint. Il est 17h45 lorsqu'une habitante entend une enfant hurler à l'aide devant sa maison. Elle se précipite à l'extérieur et découvre une scène effroyable. Sa petite voisine, Marion, 10 ans, est là devant elle, très grièvement blessée. Elle était touchée au poumon par une balle de fusil de chasse, une cartouche. Elle est ensanglantée et en plus dans un état de panique effroyable. La voisine comprend immédiatement qu'il s'est passé quelque chose d'absolument terrifiant. Marion dit « Tout le monde a été tué dans la maison ». Elle l'a répété, tout le monde a été tué dans la maison. Elle a dit que c'était son frère aîné, Pierre, 13 ans, qui était l'auteur du massacre. C'est la seule qui a survécu. Elle a pu réussir à échapper, puis elle est allée chez les premiers voisins chez qui elle a pu frapper, les premiers qu'elle a trouvés. La voisine, qui connaissait bien évidemment la famille, réagit immédiatement et appelle et les secours et les gendarmes. Une dizaine de minutes après l'appel de la voisine, les secours arrivent, sirène hurlante, dans le petit hameau. Marion est conduite en urgence au CHU de Rouen. Son pronostic vital est engagé. Dans le même temps, les gendarmes arrivent à leur tour à Encourteville-sur-Héricourt. Tout le dispositif se met en place et la section de recherche dirigé par le colonel Poirier-Coutancier, évidemment, arrive sur les lieux. Mes fonctions à l'époque, pour les décrire de manière extrêmement simple, j'étais le chef des gendarmes du département de la Seine-Maritime. C'est le début de l'enquête de ce fait divers hors norme, quoi. Hors norme. C'est glaçant, d'ailleurs. Dès leur arrivée, les gendarmes se rendent immédiatement au domicile de la famille de Marion afin de vérifier si les propos très inquiétants de l'enfant sont bien vrais. Son frère, Pierre, âgé de 13 ans, a-t-il vraiment exécuté toute sa famille? À peine la porte d'entrée de la maison poussée, les gendarmes découvrent effectivement une scène de crime insoutenable. Lorsqu'ils arrivent dans la demeure, le spectacle est effroyable. Enfin, le spectacle, la scène est effroyable. Quand les gendarmes rentrent, ils découvrent, proche de l'entrée, le corps du père de Pierre sans vie.
Il retrouve un peu plus loin, en bas de l'escalier, le corps du petit frère de Pierre, Louis, âgé de 4 ans. Et puis, en faisant le tour de la maison, au sein de la salle de bain, la mère de Pierre est tendue sur le ventre et elle également décédée. 3 cadavres mortellement tués au fusil de chasse. Il s'agit d'un fusil de chasse avec des cartouches au plomb qui ont été tirées à une distance très courte, donc générant des blessures mortelles. À part Marion, qui, encore une fois, par miracle, a réchappé. C'est une scène de crime particulièrement dure et choquante pour les enquêteurs, en particulier avec ce jeune enfant de 4 ans, mort en bas de l'escalier. Ça donne toute la violence de la scène. Ce qui m'a tout à fait saisi quand je suis arrivé sur les lieux, et comme je crois tous les gendarmes qui ont pu intervenir dans ce cadre-là, c'est le côté tout à fait rangé, propre, bien tenu des lieux, la sérénité apparente de cette famille et le côté abominable de la scène de crime. Ce décalage nous a tous choqués et était tout à fait saisissant. Et ça interroge quand même énormément sur qu'est-ce qui a pu amener ce drame dans un environnement aussi serein en apparence. Les gendarmes fouillent les moindres recoins de la maison à la recherche de Pierre, soupçonné d'être l'auteur de ce massacre. Mais de toute évidence, il a quitté la maison avant l'arrivée des secours. Il est parti sans l'arme. L'arme a été retrouvée sur place. Donc c'était un point qui écartait d'autres éventuels homicides. Même si Pierre n'est plus armé, les gendarmes mettent rapidement en place d'importants moyens pour retrouver l'adolescent. Donc, ils cherchaient à droite, à gauche, où ils pouvaient se cacher. Le bois, les champs, etc. Donc, même si c'est un petit village, on peut se cacher dans une grange, on peut se cacher dans n'importe quoi. Alors que les gendarmes sont mobilisés pour retrouver l'adolescent fugitif, la terrible nouvelle de cette tuerie familiale se répand comme une traînée de poudre. L'affaire fait très vite la une des journaux régionaux et locaux. L'actualité en Normandie est bien sûr dominée par la folie meurtrière de cet adolescent de 14 ans qui a tué ses parents et son frère. Ça s'est passé en Seine-Maritime, en Courteville-sur-Héricourt, près d'Yvetot. En Courteville, où on retrouve tout de suite en direct Stéphane Gérin. Bonjour Stéphane, vous êtes sur les lieux du drame. Que se passe-t-il à l'heure actuelle ? Bonjour Samuel, oui, je me trouve effectivement sur place, à quelques mètres de la maison où s'est déroulé le drame. Vous pouvez d'ailleurs apercevoir le toit de ce pavillon, il est juste derrière moi. Alors, d'après nos dernières informations, les corps des victimes, c'est-à-dire du père, de la mère et du petit garçon, ont été évacués et l'on a pu observer une intense activité des gendarmes sur ce lieu du drame. Nolwenn Lejeune, journaliste à France Bleu Normandie, est l'une des premières à arriver sur place. Il y a donc un seul journaliste qui est là au moment où moi j'arrive, on est deux. Tous les journalistes de la presse locale commencent à arriver. Et on est au bout d'une allée et la maison est plus loin derrière des arbres, on ne la voit pas. Mais ce qu'on voit, c'est beaucoup de voitures de gendarmes qui passent, l'identification criminelle qui est arrivée sur les lieux. Et les gendarmes, c'était des allées et venues, un balai de voitures de gendarmerie avec les gyrophares bleus qui tournaient, les sirènes, les secours, les pompiers, c'était l'effervescence. Était bouleversé de voir une famille anéantie comme ça par un enfant de 13 ans, enfin un adolescent de 13 ans, ça fait mal quoi. On se demande si c'est pas un cauchemar. Et c'était pas un cauchemar. C'était quelque chose d'épouvantable. Quand c'est un adulte, c'est dur. Qui commet de tels actes, mais un enfant, c'est encore plus dur à supporter. Surtout de massacrer son père, sa mère, son frère et sa sœur. C'est un désastre, quoi. Un tel fait divers, ça dépasse l'entendement. Parce que là, on est dans l'horreur. Hein. Horreur la plus absolue. À 19h30, 2 heures après la découverte de la tuerie, les gendarmes reçoivent un appel inespéré. Au bout du fil, ils entendent la voix fluette d'un jeune garçon. Et rapidement, il donne son identité. Il s'appelle Pierre. Les gendarmes n'en reviennent pas. Il s'agit, de toute évidence, de l'adolescent qu'ils recherchent et qui est soupçonné d'avoir exécuté sa famille.
Mais les enquêteurs gardent secret leurs soupçons de peur d'affoler l'adolescent. Ils l'écoutent alors leur livrer au téléphone d'étonnants propos. Il a téléphoné à la gendarmerie et il a commencé à raconter qu'il ne comprenait pas, qu'il était rentré chez lui, qu'il avait vu les deux voitures, celle de son père et celle de sa mère, mais que la porte était fermée, que personne ne lui répondait, que c'était bizarre. Il dit « Au secours, je peux plus rentrer chez moi, tout est fermé à clé, j'ai pas les clés, et il se passe quelque chose de bizarre. » Il dit qu'il a regardé par la porte vitrée, qu'il a vu du désordre et un corps étendu par terre. Il dit « J'ai aperçu un corps par terre et j'ai cru reconnaître celui de mon père. » À ce moment-là, il a décidé de partir et d'appeler au secours les gendarmes. Donc à ce moment-là, le centre des opérations de la gendarmerie a fait le lien entre les deux affaires. Les gendarmes ont tout de suite compris qu'ils avaient au téléphone et l'ont gardé suffisamment longtemps pour pouvoir le localiser. Les gendarmes savaient quand il a appelé qui il était, ce qui s'était passé. Donc ils ont fait durer la conversation. Ils lui ont parlé longtemps, ils lui ont posé des questions. Ils ont entretenu une conversation d'environ une quinzaine de minutes avec Pierre. Il a dit qu'il était dans une cabine téléphonique, donc c'était d'identifier le lieu précis de la cabine téléphonique et surtout de permettre aux gendarmes les plus proches de se déplacer sur les lieux pour pouvoir l'interpeller. Et il localise la cabine ? Les gendarmes locaux se sont déplacés immédiatement à la cabine téléphonique. Et pendant que Pierre parlait, il y a trois voitures de gendarmes qui sont arrivées ils ont entouré la cabine et ils ont arrêté Pierre et ils sont tombés sur un enfant avec un visage d'ange et je crois qu'ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait en fait. Ils avaient eu par leurs collègues des indications sur la scène du crime. C'était quelque chose d'atroce qui avait choqué beaucoup les gendarmes du coin et ils s'attendaient à tomber sur quelqu'un de totalement différent, ils sont tombés sur un ange. Quand on fait le parallèle avec les faits, c'est tout à fait étonnant et décalé. C'est un enfant voilà, qui a l'air rayonnant, qui est un bel enfant, si je puis dire. Je suis aussi père de famille, on voit ça de manière tout à fait surprenante, de dire, bon voilà, cet enfant qui a un peu l'âge des miens, voilà, c'est quand même tout à fait surprenant et on s'en souvient régulièrement et longtemps. Hein, Les gendarmes, en fait, ils ont eu le sentiment qu'ils étaient en train d'arrêter leur fils, que ça pouvait être leur fils et ils s'attendaient pas à ça. En fait, comme tout le monde, les gendarmes doivent avoir aussi des stéréotypes, c'est-à-dire que quand ils arrêtent un méchant, ils ont l'impression qu'il a une gueule de méchant et que même si c'est un adolescent, il a une sale gueule ou une tête de d'assassin. Et là, ils ont arrêté un ange. Et Pierre s'est laissé interpeller par les gendarmes sans aucune difficulté. Il les suit à la brigade où il est immédiatement placé en garde à vue. Cet individu était serein. C'est-à-dire ? Calme, posé, ne manifestant aucune angoisse. Aucune émotion ? Froid. Dès le début de la garde à vue, les enquêteurs confrontent Pierre aux accusations gravissimes de sa petite sœur Marion, qui a miraculeusement survécu. Coincé, l'adolescent ne résiste pas longtemps. Il va reconnaître que c'est lui, vu que de toute façon la petite sœur s'est échappée. Il est passé aux aveux très vite, en fait. Il reconnaît que c'est lui qui a tué papa, maman, son petit frère Louis, et qui a failli tuer sa petite sœur Marion. Il le reconnaît. Pierre va alors livrer en détail aux enquêteurs comment il a décimé toute sa famille quelques heures plus tôt. Il n'est pas du tout perturbé et il se livre de manière assez aisée et facile pour décrire l'ensemble de sa journée. C'est un mercredi, il est chez lui, sa sœur est à la piscine, sa maman est partie faire les courses avec son petit frère et son père travaille. Donc il est tout seul à la maison, il a une rédaction de français à faire. Il était en train de faire une rédaction et en même temps, il regardait Shrek. Il met un dessin animé qui s'appelle Shrek. C'est pas un dessin animé violent ni agressif pour un jeune. Non, non. C'est un dessin animé enfantin, sans scène dure à supporter. C'est un dessin animé que tout le monde peut regarder. Il écrivait, il était sur son canapé devant la télé. Et d'un seul coup, il dit, j'ai eu l'idée de tuer mes parents, mon père et ma mère, comme ça. D'un seul coup. J'ai eu l'idée de tuer mes parents.
On doit être vers 15 heures à peu près. Il va récupérer le fusil de chasse de son père dans le garage. Son père est un accro de la chasse. Il a 5 fusils à la maison. Comme c'est un chasseur, malgré tout certainement un peu responsable, il sait qu'une arme dans la maison, c'est dangereux, donc il cache les cartouches. Mais Pierre a entrepris de retrouver les cartouches. Et il a réussi. Et c'est comme ça qu'il avait une arme à sa disposition. Donc il s'en est emparé, il l'a posé sur le canapé, sur la banquette. Il avait mis le fusil à côté de lui sur le canapé pendant qu'il rédigeait la rédaction et pendant qu'il regardait Shrek. Et quand il entend la voiture de sa mère rentrer dans la cour, il prend la télécommande, il met Shrek sur pause. Il s'empare du fusil qui est sur la banquette à côté de lui et il se met face à la porte d'entrée. Sa mère va rentrer des courses avec le petit frère et il met sa mère en joue. Et il lui tire un coup de fusil de chasse à quelques mètres, à 2 ou 3 mètres. Donc elle s'effondre. Le petit frère s'était pas vraiment rendu compte apparemment de ce qui s'était passé. Et quand sa mère est tombée, il s'approche de son petit frère, il le prend par la main. Il l'emmène à l'étage, il l'emmène dans sa chambre et il lui demande de faire des dessins. Il lui donne des crayons de couleur, des coloriages pour le rassurer, pour le calmer. Il n'avait pas l'intention de tuer son petit frère. Il lui dit, dessine, fais ce que tu veux, ne t'inquiète pas, tout va bien, ne crains rien, il n'y a pas de souci, je reviens tout de suite. Voilà, il redescend. Après avoir froidement tué sa mère, Lydie, 38 ans, Pierre redescend au rez-de-chaussée où gît encore son corps. Mais l'adolescent ne perd pas son sang-froid. Il arrive à mettre le corps de sa mère dans la salle de bain, en la tirant. Tant bien que mal, mais enfin, il y arrive. Il la tire jusque dans la salle de bain, de manière à laisser la place libre. Et il referme la porte sur elle. Puis, il se réinstalle dans le canapé face à la télévision pour continuer à voir son dessin animé Shrek, comme si de rien n'était. Ce qui est incroyable, c'est ça, il remet le fusil sur la banquette et il continue à visionner le dessin animé Shrek là en question. Alors c'est ça qui est inconcevable, parce que quand même là, il s'est passé des choses gravissimes et lui, ça l'empêche pas de reprendre sa rédaction, de regarder à nouveau le dessin animé avec une tranquillité absolument incroyable. Là, il est sur le canapé, il recharge le fusil, il remet Shrek en marche et il attend. Et la deuxième personne à rentrer, c'est sa sœur qui était à la piscine. Marion, dès 40, sa mère voulait qu'elle se douche à cause de l'eau de la piscine, justement, et du chlore, etc. Et il le savait, Pierre. Et il savait aussi qu'il y avait le corps de sa mère dans la salle de bain. Donc il la suit. Il essaye de l'en empêcher, je crois qu'ils se disputent. Il lui dit de pas y aller. Donc, elle n'entend rien, elle dit « je vais aller me doucher, point, c'est comme ça ». Et il lui dit « tu n'y vas pas », et donc il l'attire dans l'arrière-cuisine. Et il lui tire dessus pour lui essayer de l'empêcher d'aller dans la salle de bain. Il tire une cartouche, là aussi, sur sa sœur, qui s'effondre. Il l'a laissée pour morte, quoi. Il pensait qu'effectivement, elle n'avait pas survécu au coup de fusil de chasse qu'il lui avait asséné. Marion est grièvement blessée, touchée au poumon. Mais elle reste au sol, immobile, et retient sa respiration. À ce moment-là, Louis, 4 ans, qui était resté jusque-là tranquillement dans sa chambre, panique après avoir entendu ce nouveau coup de fusil. Le petit frère entend ce qui vient de se passer, donc il arrive en hurlant en haut de l'escalier. Et à ce moment-là, je pense que Pierre a peur que ça alerte le voisinage. Et puis surtout, il ne sait pas très bien comment le raisonner. Il est vraiment paniqué et il a une sorte de geste réflexe. Il avait un fusil avec 2 coups. Il a une sorte de geste réflexe et il lui tire dessus. Louis, âgé de 4 ans, il déboule l'escalier et s'effondre. Et Pierre repose son fusil, va rechercher les cartouches, parce qu'il n'avait plus de cartouches dans le garage. À ce moment-là, Marion profite de cette phase où il est absent. Elle a réussi à reprendre un petit peu de vigueur et de force. Il s'était réfugié dans la salle de bain, où il découvre d'ailleurs le corps de sa maman. Sa mère, à côté d'elle, morte. Et ça, c'est une image qui est très difficile pour elle à effacer. C'est
indélébile. Et la jeune gamine arrive par miracle aussi à s'échapper par un Velux de la pièce, la salle de bain. Elle saute et elle court chercher du secours chez le voisin le plus proche. Elle sauve sa vie comme ça, quoi. Elle a eu ce réflexe de survie, en fait. Parce que c'était pas évident non plus, ça, dans l'état où elle était. Elle a comme la force de passer par la fenêtre et de partir chez la voisine. Marion se traîne difficilement. Elle perd beaucoup de sang. La centaine de mètres qui la sépare de chez la voisine est interminable. D'autant que la maison est isolée et qu'il n'y a pas de passage dans ce tout petit hameau. Pendant ce temps, Pierre, qui ne s'est pas aperçu de la fuite de sa sœur, peut donc poursuivre tranquillement son scénario macabre. Il a repris la lecture de Shrek et il reprend exactement le même mode opératoire. Et il poursuit sa rédaction, alors qu'il y a déjà, selon lui, trois morts. Parce qu'il ignore que Marion est encore en vie. Et il a rechargé le fusil et il attend que son père rentre du travail. Et quand son père arrive, il éteint le dessin animé, je crois qu'il doit être 17h30, et là, il le met en joue. Quand son père arrive, il tire deux coups de fusil. Là, pareil, à une distance très courte, son père s'effondre. Le père s'écroule dans l'entrée de la petite maison, il la bat froidement. En l'espace de 2h30, Pierre vient de tirer froidement à coups de fusil sur les quatre membres de sa famille. Sa mère, Lydie, 38 ans. Sa sœur, Marion, 10 ans. Son petit frère, Louis, 4 ans. Et son père, Thierry, 39 ans. Mais l'adolescent de 13 ans n'est toujours pas déstabilisé par son massacre. C'est encore avec beaucoup de sang-froid qu'il va chercher un sac à dos. Il fouille dans les affaires de sa mère pour essayer de trouver un peu d'argent, en se disant qu'il allait peut-être faire une cavale et qu'il allait lui falloir quelques moyens. Il prend le carnet de chèques de sa mère et il s'enfuit. Et puis, quand il a trouvé tout ce qu'il lui fallait pour partir dans cette cavale, il ferme la porte consciencieusement et il s'en va. Donc, il part de chez lui, il jette les clés dans la piscine et il prend son vélo. Il parcourt une quinzaine de kilomètres, comme ça, à vélo, dans la campagne. Quand Pierre a quitté la maison, il avait des plans qui n'étaient pas forcément très précis. Et puis, au bout d'un moment, il a dû se demander ce qu'il allait faire. Il s'est dit qu'il n'allait pas pouvoir, comme ça, partir loin, faire du vélo longtemps. Et il aperçoit une cabine de téléphone. Là, il a l'idée d'appeler la gendarmerie. Là, il commence à perdre son sang-froid, je pense. Il s'est dit qu'il allait appeler les gendarmes pour leur dire qu'il s'était passé quelque chose de bizarre chez lui. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a téléphoné à la gendarmerie. Pierre pensait ainsi duper les gendarmes. Mais c'est grâce à cet appel téléphonique et au savoir-faire des enquêteurs qu'il a finalement pu être localisé et interpellé. En écoutant les aveux glaçants de l'adolescent, les gendarmes sont sidérés par le sang-froid meurtrier dont il a fait preuve, malgré son très jeune âge. Tirer comme ça de sang-froid, avec un fusil de chasse, c'est comme une arme assez lourde. C'est pas un pistolet. Il n'a pas tremblé, hein. Il n'a pas tremblé pour tirer. Il n'a pas raté sa cible. Or, je sais pas si vous avez essayé de tenir un fusil de chasse. C'est pas évident. Parce que la détonation, ça bouge. Vous avez le mouvement de recul du fusil. Lui, il n'a pas tremblé. Il a touché où il fallait, sans viser, à bout portant presque, enfin à 3 mètres. Son père était amateur de chasse et il emmenait le fiston à la chasse avec lui. Donc, il connaissait le maniement d'un fusil de chasse. Son papa l'avait à plusieurs reprises fait utiliser son fusil dans ce cadre-là. Voilà, donc il était relativement familier des armes de chasse, ce qui explique tristement son aisance à l'occasion des faits. Ce qui se passe dans son cerveau, dans sa tête, dans son âme, est inconcevable. Comment comprendre qu'on passe en une seconde, une minute, du tueur le plus froid à l'adolescent qui continue à étudier et qui regarde un film à la télé. Il est maître de ses nerfs. Un adulte, d'ailleurs, n'aurait peut-être même pas pu faire ça.
Il ne panique jamais. C'est la partie que je trouve tout à fait étonnant pour un enfant. Il ne panique jamais. Il continue, il ne panique jamais. C'est ce qu'il y a de plus glaçant, effectivement, dans toute cette histoire, c'est qu'à chaque fois, il reprend sa position, il reprend le même cérémonial, il charge de nouveau l'arme, il relance Shrek, il écrit de nouveau sa rédaction, et comme si, en fait, tout était huilé, prévu, et que rien ne pouvait l'arrêter. On est face à un drame absolument abominable, un double parricide, tuer son petit frère, blesser grièvement sa petite sœur, en tout cas laisser pour morte. Et tout ça fait avec un détachement et une légèreté. C'était voilà, hallucinant. Il était en train de faire sa rédaction, il regardait un dessin animé et il tuait sa famille tout en remettant son dessin animé. Une fois qu'il avait tué un membre de sa famille, il rallumait son dessin animé, il continuait à faire sa rédaction. Et voilà, on était tous sidérés quand on a appris les circonstances dans lesquelles tout ça s'est passé. Cette alternance d'extrême violence et de sérénité d'un enfant qui regarde un dessin animé est quelque chose de particulièrement étonnant. Et choquant. Entre l'arrivée de la maman vers 15h qui rentre des courses avec le petit frère et l'arrivée du père 17h30, il va donc se passer 2h30 durant lesquelles il est là-bas froidement, un par un, les membres de sa famille. La plage horaire est quand même assez longue. Entre le premier fait et le dernier, ce qui aurait pu lui laisser le temps de la réflexion, de la prise de conscience de ce qu'il avait fait. Même face aux gendarmes, Pierre ne semble toujours pas perturbé. Il affirme qu'il ne comprend pas son geste terrible et répète « Je faisais mes devoirs et j'ai soudain eu l'idée de tuer mes parents ». Mais malgré l'horreur de ce qu'il a commis, il affiche encore en garde à vue une décontraction sidérante. Un jeune adolescent qui a l'air très à l'aise, qui affiche une certaine sérénité et qui expliquait, un peu comme s'il racontait une histoire, mais de manière étonnamment détendue. Et sans émotion apparente, il ne tient à aucun moment des propos incohérents. Il a des propos construits dans un français parfait, sans être très élaboré, mais dans un français parfait. Pierre avait un côté charmeur. Et donc ce côté charmeur, cette façon de s'exprimer très correctement, cette intelligence justement qu'il a des gens, faisait que tous ont été très choqués d'avoir affaire à un criminel de cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y avait, vraiment une dichotomie entre l'apparence de ce jeune garçon mignon, intelligent, qui parle bien, et puis des faits dont on avait connaissance. Puis un autre point qui m'a marqué aussi, c'est un moment, il a un temps de repos assez long et il est mis en cellule pendant la nuit, une partie de la nuit. Le matin tôt, les enquêteurs le réveillent, reprennent les auditions et lui posent la question s'il a bien dormi. Il répond oui, j'ai très bien dormi. Donc voilà, donc ça fait aussi partie des choses qui m'ont un peu marqué. Compte tenu des faits, voilà, on pouvait s'attendre à ce qu'il passe quelques moments un peu plus agités. Afin de comprendre ce qui a pu pousser cet adolescent, apparemment normal, à commettre l'irréparable, les gendarmes se plongent dans la vie de cette famille. Peut-être y trouveront-ils un début d'explication ? Le papa Thierry, chaudronnier de métier, un homme consciencieux, il avait une vie professionnelle très bien remplie. Il faut savoir qu'il partait très très tôt le matin au boulot, très très tôt, et il comptait pas ses heures. Le papa de Pierre travaillait dans une usine où il était chef d'équipe, quelqu'un de très posé et pondéré, quelqu'un de très apprécié de ses collègues de travail. Un père travailleur, rigoureux dans son travail, rigoureux dans l'éducation de ses enfants, soucieux de l'éducation et du bien-être de ses enfants. Et la maman, elle, s'occupait de la famille, à la maison, les repas, le linge, enfin ce que fait une maman, quoi, les mères au foyer. Elle s'occupait de ses enfants, elle avait travaillé, elle ne travaillait plus. Elle a arrêté de travailler au troisième enfant. C'est-à-dire que pour le petit frère de Pierre, elle s'est arrêtée de travailler. Comme elle avait troisième enfant, elle avait dit « bon, j'arrête pour les élever bah, ». Elle faisait tous les vêtements de ses enfants, elle faisait les yaourts, elle faisait la peinture, elle faisait tout. Elle était très impliquée dans la vie de... Très. Ah oui, très. Alors sa mère, Lydie, rigolait pas. Elle était pas méchante, mais l'éducation, ça comptait, hein. Une mère très présente au foyer, s'occupant du plus petit jusqu'au plus âgé. C'était une famille qui s'entendait très bien et ils étaient très proches. C'était une vie extrêmement simple,
honnête, une famille honorable, respectée, qui était bien considérée dans la commune. Des gens qui étaient d'excellente renommée dans le village. Des gens gentils, ils étaient très bien intégrés dans la vie associative, les voisins les connaissaient. Enfin, une jolie famille, une chouette famille, avec trois enfants mignons. C'est ce qu'on appelle une famille sans problème, quoi. C'est-à-dire une famille qui en plus a un confort de vie assez intéressant, parce qu'ils ont acquis leur maison, ils ne sont pas locataires. Donc, ils ont chacun leur voiture. Ce sont des gens qui ont une vie confortable. C'est un drame qui est d'autant plus incompréhensible que c'est une famille qui était parfaitement respectable, avec des principes éducatifs. Une famille très bien, parfaitement unie aux yeux de tout le monde, dans la famille ou à l'extérieur de la famille, c'était une famille qui n'avait pas de problème. Pourquoi ? Pourquoi un tel drame ? Ça a été tellement soudain, ça a été tellement inexpliqué, ça a été tellement imperceptible. Okay, il n'y avait aucun signe avant-coureur. Il n'y avait rien qui permettait de dire que ce drame allait arriver. Les gendarmes ne sont guère avancés. Rien dans la vie de cette famille ne leur permet de comprendre ce terrible drame. Ils fouillent alors la vie de Pierre afin de cerner la personnalité de cet adolescent devenu criminel. Pierre était élève en troisième, c'est un bon élève. C'est un garçon qui était brillant à l'école, d'une intelligence très vive. Il était très 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 bon élève. À l'école, ça se passait très bien. Moi, j'ai rencontré un ancien professeur de mathématiques qui l'avait eu en sixième et qui était son professeur principal. Il le décrivait vraiment comme un garçon intelligent, facile, sans problème. Pierre, c'est un enfant doué, intelligent, très vif d'esprit, plein de répartie. Il avait déjà un répondant adulte. Il disait déjà quand même des choses, il répondait assez franchement aux choses qu'on lui disait. Il avait quand même quelque chose de différent des autres enfants de son âge. Pierre, dans le village, t'es considéré comme un premier communion, quoi. Comme on dit, une gueule d'ange. D'ailleurs, il y a un livre qui a été fait de Jean-Marc Huit qui s'appelle « Gueule d'ange ». Et c'est le terme exact. Il avait été enfant de cœur pendant assez longtemps. Il venait donc assidûment, quoi, ici, dans cette église. L'abbé Lejeune, très ému, se souvient d'un jeune paroissien qu'il connaissait particulièrement bien. Cet enfant, voyez-vous, était comme un enfant de son temps, un enfant comme tous les autres enfants. Rien n'apparemment laissait prévoir un tel événement. Il pratiquait le football dans un club local où il était très bon camarade, ayant des copains sans difficulté particulière. C'était un gars qui jouait pour le plaisir de jouer, qui prenait plaisir, puis il plaisantait, s'il faisait une toile, il s'en amusait, il s'énervait pas, il n'aurait jamais taclé un adversaire parce qu'il en aurait été malade. Et chez lui, il manquait de rien, ses parents étaient charmants, même son père venait de temps en temps le voir parce que alors qu'il était pas très sportif, le père, pour faire plaisir à Pierre. Donc ça veut dire que tout allait bien, quoi, et aucun problème. Alors là, on comprend vraiment pas ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on tombe vraiment des nues, on se demande ce qui a pu se passer, quoi, d'un seul coup, comme ça. C'est brutal, incroyable, quoi. Tous les témoignages, à la fois du corps enseignant, à la fois des gens du foot, de son entourage, ont toujours dit que c'était un enfant très poli, très bien élevé, qui était attentif à la politesse de bon usage. Poli, très poli, jamais un mot de travers, jamais un dérapage. Le gosse parfait, presque. C'était un petit modèle. Certaines mères disaient à leur fiston, prends exemple sur Pierre, voilà un gars bien. C'est le gamin, super. Si on fait l'abstraction de ce fait innommable, ce qui est absolument terrifiant, il était ça. On m'a raconté que c'était un petit gamin blond, avec ce qu'on dit, un visage d'ange. Donc pas du tout l'image qu'on pourrait se faire de quelqu'un qui va tuer toute sa famille, c'est vraiment pas. Ça contredisait tous les clichés qu'on peut avoir justement sur les enfants criminels. On leur prêtait souvent une vie isolée, on les imaginait enfermés dans leur chambre à jouer sur des jeux vidéo. Et lui, c'était tout le contraire. Il est passé en deux heures d'un gamin ordinaire, enfin normal, un meurtrier épouvantable. Pourquoi est-ce qu'un adolescent va basculer comme ça alors qu'on n'a rien pu soupçonner chez lui ? Ce basculement dans l'horreur est complètement inimaginable et pose vraiment question. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête d'adolescent pour passer à l'acte comme ça ? Enfin, ça a quand même un côté terrifiant de ce basculement dans l'horreur.
Ce qui rend tout à fait singulier cette affaire, c'est le jeune âge de l'auteur, 13 ans et demi, qui décime toute une famille. Comment une telle histoire ne peut pas interpeller ? L'âge de l'auteur était jeune. Comment on peut en arriver à être un jeune criminel ? Les enquêteurs n'ont rien trouvé dans la vie de Pierre qui puisse expliquer son passage à l'acte. D'autant que l'adolescent qu'ils ont face à eux a toute sa tête. Il ne semble pas sous l'emprise d'une bouffée délirante. Alors, en garde à vue, les enquêteurs le pressent de questions et l'interrogent encore et encore afin de comprendre comment il a pu ainsi donner la mort à toute sa famille. Et là, le mineur lâche un mobile ubuesque. La seule explication qu'il a fournie, évidemment complètement bancale, c'est que sa mère voulait le priver de foot et de son magazine préféré de football. Et aussi qu'il recevait de sa part des brimades intolérables. Il avait le sentiment d'être puni par sa maman. Donc sa maman l'avait grondé parce qu'il n'avait pas fait son lit. Sa maman n'avait pas voulu lui acheter un magazine France Foot. Sa maman l'avait tapé avec une mouvette. Donc une mouvette, c'est en patois du pays de Caux, une cuillère en bois. En garde à vue, effectivement, à plusieurs reprises, il explique la difficulté de ses relations avec sa maman. Et donc il avait envisagé une fugue, il avait envisagé de casser un certain nombre d'objets auxquels ses parents étaient attachés pour leur faire du mal, quoi. Et à un moment, il emploie un terme terrible. Il dit, bon, et puis à un moment, j'ai décidé de mettre en œuvre une solution radicale. Voilà, donc ce qui montre toute sa détermination. Et donc pour tous ces faits qui peuvent paraître mais complètement dérisoires, il s'était mis en tête de tuer sa mère. Et donc c'était devenu une idée fixe. Il ne pouvait plus vivre en sachant que sa mère était vivante. Il fallait qu'il tue sa mère, il fallait qu'il supprime sa mère. Dans son audition de garde à vue, il parle essentiellement du fait qu'il en veut à sa maman, mais qu'il a peur de son papa, de la réaction de son papa, si son papa découvre le corps sans vie de sa maman. Voilà, une fois qu'il a décidé et surtout éliminé sa maman, il ne voit pas d'autre solution que d'éliminer son papa, parce que sinon il pense qu'il sera dans une situation compliquée. Il s'était dit dans sa tête d'enfant, mais si je tue maman, papa va me tuer. Donc il faut que je tue papa. Le mobile, c'est ça. C'est France Foot, j'ai pas fait mon lit, maman m'a grondé et elle m'a donné un coup avec une mouvette. Voilà. Ce qui a donné une tuerie complètement aussi atroce. De partir d'éléments aussi dérisoires et d'arriver à un carnage comme ça. Les motifs ont apparu aux enquêteurs initialement relativement dérisoires. C'est-à-dire qu'effectivement, il est arrivé un certain nombre de fois que, passez-moi l'expression, que sa maman ne cède pas à ses caprices. Et en fait, tout le monde sait bien que ses parents voulaient qu'il ait une éducation stricte, mais strict ne veut pas dire méchant. Effectivement, les parents de Pierre étaient des parents exigeants, à la fois sur les aspects de comportement, de politesse et autres, sur les aspects de travail à l'école et autres. Il n'a pas été révélé dans les phases d'enquête de violences particulières ou autres. Voilà, c'était une éducation que je pourrais qualifier de rigoureuse, mais sans violence. Il a abattu toute sa famille pour vraiment des motifs archi-futiles. Rien ne justifiait. Rien ne justifie un tel drame. C'est totalement incompréhensible, complètement inacceptable. Les gendarmes sont sidérés par les aveux de Pierre, mais aussi par son attitude en garde à vue. Même plusieurs heures après avoir exécuté toute sa famille, il affiche une froideur déconcertante quand il parle de sa mère et de son père. Mais il est triste pour son petit frère et sa petite sœur. Il a tout de suite des regrets très marqués d'avoir fait du mal à son frère et à sa sœur. Il dit très clairement qu'il ne voulait pas s'attaquer à son frère et à sa sœur et qu'il l'a fait parce que les circonstances l'avaient contraint à le faire. Il le dit pour Louis, et surtout pour Louis, mais aussi pour Marion. Et surtout pour lui parce que Louis est mort. Sa sœur aussi. Il regrettait pour sa sœur de lui avoir tiré dessus, quoi. Il a dit là, je regrette. Mais papa, maman, non. Son père et sa mère, non. Il n'a jamais, jamais, et c'est ça qui l'a desservi quand même, il n'a jamais exprimé un seul regret. L'affaire est tellement hors norme
que le procureur de la République organise, dès le lendemain des faits, une conférence de presse devant les journalistes venus nombreux. Comme moi, fréquenter le crime depuis 31 ans, il y a des événements, des drames auxquels on ne peut pas s'habituer parce que ça reste complètement inexplicable. Je crois que c'est terrifiant, effectivement, d'entendre et d'écouter ce qui ressort de ces déclarations. Il l'a fait de sang-froid, il est complètement détaché, neutre. Il a dit « L'idée m'est venue de tuer mes parents. » Et il est passer immédiatement aux actes préparatoires. Au bout de 48 heures de garde à vue, Pierre est mis en examen pour ce double parricide, le meurtre de son petit frère Louis et la tentative de meurtre sur sa petite sœur Marion. L'adolescent est incarcéré dans une prison, dans un quartier pour mineurs. Je suis allé le voir tout à l'heure dans l'attente gardée du tribunal, pour lui expliquer ce qui allait se passer à partir d'aujourd'hui, pour lui donner des nouvelles de sa petite sœur notamment. Et il a été à ce moment-là, il a retenu ses larmes. Depuis le début de cette affaire, la personnalité de Pierre désarçonne les enquêteurs et le juge d'instruction. Alors pour comprendre à qui ils ont affaire, des expertises psychologiques et psychiatriques sont immédiatement ordonnées. Le docteur Michel Guéda est expert psychiatre, spécialiste des enfants et des adolescents. Il n'a pas été mandaté dans cette affaire, mais à notre demande, il a travaillé sur le dossier. Il peut ainsi nous éclairer sur la personnalité de l'adolescent. C'est un garçon qui présente une estime de soi très importante. Enfin, c'est bien d'avoir une estime de soi, mais celle-ci, elle apparaît quand même tout à fait disproportionnée. C'est-à-dire le fait de recevoir un coup de cuillère en bois de sa mère sans qu'il y ait véritablement une blessure quelconque, c'est vécu comme quelque chose d'absolument gravissime. C'est-à-dire une blessure à son honneur, à sa fierté tout à fait importante. Selon l'expert psychiatre, Pierre est un adolescent à l'ego surdimensionné, un trait de sa personnalité qui est encore très présent, même en détention, notamment dans le cadre de sa scolarité. En détention, la moyenne des jeunes détenus qui suivent des cours est assez faible, donc on donne des tâches relativement simples et on ne personnalise pas toujours comme il le faudrait d'emblée le niveau. Donc on lui a donné des travaux à faire de CM2 alors qu'il était en troisième antérieurement. Et il les a jetés avec mépris, ça donne un petit peu une idée de son fonctionnement mental. Il était toujours avec une certaine prétention par rapport à ses capacités, à sa suffisance. Pierre était quelqu'un qui était assez sûr de ses capacités, il savait qu'il était intelligent, il avait aussi pas mal de mépris pour sa famille, mais pas sa famille proche, pas sa famille monocellulaire, enfin, pas le premier cercle, mais pour les gens qui l'entouraient, les oncles, les tantes, qui les trouvaient un peu bouseux, et ça lui déplaisait beaucoup. J'ai utilisé le terme d'hypertrophie du moi, c'est-à-dire d'un orgueil, pour parler en termes simples, c'est-à-dire le moi, oui, un peu, c'est-à-dire se poser en tant qu'individu seul et unique. Enfin, c'est les gens qui sont contents de leur nombril, ils se trouvent, enfin, je caricature, se trouvent magnifiques tels qu'ils sont, et indemnes de défauts, et que les défauts viennent des autres. Est-ce que les autres, on leur prête finalement peu d'intérêt, hein? Parce que dans un cas comme ça, on voit bien qu'il n'y a pas. Il ne se met pas à la place des victimes. C'est ses parents, mais il ne se met pas à la place des victimes. Il ne se dit pas, si je leur tire dessus, vont-ils souffrir, ou peut-être qu'ils ont une vie à mener. Après tout, on fonctionne difficilement ensemble, entre parents et enfants, mais ma foi, ils ont le droit de vivre. Le docteur Michel Guéda s'est également intéressé au mode opératoire de Pierre lorsqu'il a abattu froidement les membres de sa famille. L'histoire du fait qu'entre deux coups de fusil, il regardait un film d'animation, Shrek, ça donne l'impression d'un cynisme particulièrement important. Vous vous rendez compte, entre deux coups de fusil où on tue ses parents et son frère et qu'on blesse gravement sa sœur, on rebranche le magnétoscope pour regarder la suite du film, ça fait quand même quelqu'un qui est particulièrement odieux.
D'un autre côté, on pourrait se dire que ce contact avec l'imaginaire à travers ces histoires de Shrek est indispensable pour qu'il poursuive son activité meurtrière qui a duré un certain temps. Ce support imaginaire était indispensable pour qu'il ne reprenne pas contact avec le réel entre deux coups de fusil. Parce que s'il était resté sans stimulation extérieure, il est possible qu'il ait réfléchi entre les coups de fusil à ce qu'il était en train de faire et que ça aurait empêché qu'il poursuive son activité criminelle. Dans les films d'animation, l'imaginaire se confond avec le réel et c'est ça qui plaît. Mais dans ce cas-là, c'est assorti d'une réalité criminelle. À la fin de leur rapport, les experts psychiatres et psychologues qui ont examiné Pierre doivent considérer si l'adolescent est responsable ou pas de ses actes criminels. Il a énoncé des situations de maltraitance qui paraissent tout à fait insignifiantes par rapport à ce qu'il a fait. C'est-à-dire le fait que sa mère lui ait donné quelques coups de cuillère en bois sur la tête, ça ne semble pas justifier l'extinction de la famille. Alors chez l'adulte, on dirait qu'il présente une personnalité sensitive, c'est-à-dire sensitive, c'est parfois un euphémisme qu'on utilise pour désigner les personnalités paranoïaques. Qu'on retrouve chez lui, c'est-à-dire l'idée d'une certaine persécution, très susceptible, se sent attaqué pour pas grand-chose. Donc ils ont un contact qui tourne facilement au vinaigre quand on est dans leur proximité. L'utilisation de caractères sensitifs ou de traits sensitifs de la personnalité représente une particularité de caractère qui ne constitue pas en soi-même une pathologie mentale. Il n'y a pas d'abolition du discernement dans ce cas. Il n'a pas été déresponsabilisé sur le plan psychiatrique parce qu'il avait aussi quand même une adaptation à la vie quotidienne qui, dans d'autres circonstances, était tout à fait positive et qui n'était pas en rupture de camarades ni en rupture d'école. Trois experts, psychologues, psychiatres, ont dû l'examiner et aucun n'a trouvé qu'il avait un trouble du discernement ou une abolition partielle, c'est-à-dire éphémère du discernement au moment des faits. Il n'y a pas d'aliénation, il n'y a pas de folie, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de maladie mentale. Il est en pleine possession de ses facultés. C'est la conscience de commettre quelque chose de punissable, quelque chose de mal. Et là, cette conscience, en l'espèce, elle était bien présente. Et c'est pour ça que sa culpabilité a été retenue. Il n'y avait rien dans les rapports d'experts qui pouvait le dédouaner en quoi que ce soit. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette personnalité, c'est justement que ça me permettait d'évoquer une thèse qui est qu'on est tous des criminels potentiels. On est très nombreux à avoir déjà eu envie de tuer quelqu'un, mais on a tous, ou presque tous, des verrous qui fonctionnent très très bien, qui sont construits depuis notre enfance et tout ça. Et je pense que dans certains cas, les verrous dysfonctionnent. Et Pierre, il m'a vraiment donné ce sentiment-là. C'est-à-dire c'est quelqu'un, comme vous le décrivez, qui est un bon élève, un sportif, pas un sociopathe, quelqu'un qui, au contraire, va vers les autres. Mais il a un problème et au lieu de le résoudre comme la majorité des gens le résoudraient, bah lui, il va tout de suite aux extrêmes et il n'a pas le verrou qui l'empêche d'agir de cette façon-là. Dans leur conclusion, les experts psychiatres et psychologues sont formels. Pierre est responsable de ses actes. Il avait parfaitement conscience de ce qu'il faisait au moment où il l'a fait, que par conséquent, il était responsable et qu'il devait rendre des comptes à la justice sur ses crimes. Le mineur peut donc être jugé. À la fin de l'instruction, Pierre est poursuivi pour assassinat et non pour meurtre. La peine encourue est donc beaucoup plus lourde, car il avait tout prémédité. On peut parler d'assassinat parce que il a le fusil qui est là, les cartouches sont là, tout est préparé. Donc il connaît les heures d'arrivée du père, de la mère, de la sœur. Et il a attendu que chacun rentre tour à tour pour commettre ce terrible assassinat. Il y avait quelque chose de très très préparé dans la tête de cet adolescent, c'est-à-dire que tout était huilé. C'est-à-dire qu'il avait vraiment anticipé les choses, il avait préparé les cartouches, il avait préparé le fusil et qu'il y avait une grande détermination dans ce qu'il a fait. Le procès de Pierre s'est ouvert le 24 novembre 2005 devant le tribunal pour enfants de Rouen.
Il se déroule à huis clos en raison de sa minorité au moment des faits. Nous sommes un peu plus d'un an après la tuerie. L'adolescent a désormais 15 ans. Et pour lui, l'enjeu est de taille. Il risque une lourde condamnation. Quand Pierre arrive à l'audience aujourd'hui, c'est pour entendre les deux experts venus répéter, affiner ce qu'ils décrivaient dans leur rapport rendu en mai dernier. Non, Pierre n'est pas fou. Pierre a tué 3 des membres de sa famille, dont un mineur. Au procès, qu'est-ce que voulez-vous plaider ? L'instant de folie, manque de chance, les experts disent le contraire. Les brimades, personne n'y croit. Et les maltraitances, il n'y en a pas. Tout plaide contre lui. Il n'est pas fou. Il est après méditation. Et en plus, il s'attaque à son petit frère, à sa petite sœur. En plus. Ce qui est quand même aggravant. Pour des faits de cette nature, la peine qui pouvait être encourue par un majeur, c'est la perpétuité. Il n'est pas possible d'être prononcée pour un mineur de cet âge-là au moment des faits. Et donc la peine maximale qui était encourue, c'était 20 ans. Compte tenu de ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Le ministère public a estimé que le maximum devait être demandé au tribunal compte tenu de la gravité de ces 4 crimes. C'est très difficile, je suis bien d'accord avec vous, demander le maximum contre un mineur de 15 ans, c'est très difficile. Mais vous comprenez ? Le ministère public doit faire son devoir. Lors de ce procès, il y a un témoignage très attendu. C'est celui de Marion, la petite sœur de Pierre, âgée de 10 ans au moment des faits. Elle est la seule rescapée de cette tuerie familiale. La sœur n'était pas présente au procès de son frère. C'était impossible. Et cette confrontation était impossible à vivre. Donc il a fallu que je puisse porter sa parole, expliquer ce qu'elle ressentait. Elle n'était pas présente au procès, mais elle envoyait une longue lettre. Et à aucun moment, elle ne corrobore ce que dit Pierre. Elle dit que cette violence, elle n'en a jamais été témoin. Elle ne se rappelle pas de moments dans leur vie commune où cette violence s'est exercée. C'est-à-dire que la seule explication qu'il pouvait donner, elle était contredite par la seule survivante de la famille. Elle est la seule survivante, elle est la seule témoin de ce qui s'est véritablement passé. Elle a quasiment tout vécu de l'intérieur. Marion, sa sœur, ne s'est jamais plainte et n'a jamais vu de brimade dure à l'encontre de son frère. Non, ses parents étaient des gens gentils. Ce qui s'est télescopé en permanence dans la tête de sa sœur, c'est cette incompréhension du geste de son frère. C'est comment il a pu lui faire ça. D'avoir ainsi décimé toute une famille, c'est quelque chose qui, pour cette sœur, est un bouleversement total, un cataclysme existentiel. Il est certain que le témoignage, même écrit, de Marion a pesé lourd dans la balance. Après 2 jours de procès, le verdict tombe. Après 2 heures de délibéré, les magistrats du tribunal pour enfants ont condamné Pierre à 18 années de réclusion. Il a tout juste 15 ans. Mais malgré cette lourde peine, l'adolescent ne réagit pas. Pas de larmes, pas de mots, pas de regrets, rien. Ce qui était frappant, c'est qu'il avait l'attitude physique de quelqu'un qui n'a rien fait. Comme s'il avait volé un paquet de bonbons à la boulangerie du coin. Rien sur son visage n'est expressif. Rien. Impassible. Moi, je n'ai vu personne qui l'a plaint. Un gosse qui est condamné à 18 ans de prison, des fois, ça pitoie. On peut trouver des excuses. Là, personne n'a été en sa faveur. Personne, aussi bien dans l'opinion publique en général, hein, la personne qui lit le journal, qui écoute la radio, la télé, aussi bien que ceux qui ont suivi le procès de près ou de loin, aussi bien que la presse, personne ne s'est révolté contre cette sentence. En fait, les gens disaient en eux, mais il n'y a que ce qu'il mérite. Voilà. Là, l'opinion publique l'a condamné aussi pour avoir fait ça. Que voulez-vous ? Même qu'il n'ait que 13 ans, c'est immonde. Après son procès, Pierre est retourné en prison purger sa peine. Et 3 ans plus tard, Jean-Marc Pitt, grand reporter et écrivain, a décidé d'écrire un roman inspiré de ce drame familial. Il a intitulé son livre « Gueule d'ange ».
Quand le livre a été fabriqué, l'objet, la première personne à qui je l'ai envoyé, c'est lui. Je savais qu'il était majeur et que s'il avait envie de me rencontrer, il en aurait la possibilité. Et il m'a écrit en me disant qu'il n'avait pas envie de se pencher pour l'instant sur son passé, donc il n'avait pas lu le livre, mais qu'il l'avait fait lire à des co-détenus qui lui avaient dit que c'était un livre qui permettait de mieux le comprendre et que donc il accepterait volontiers de me rencontrer. Donc j'ai fait des démarches pour avoir une autorisation de visite et je l'ai vu 3 fois au parloir. Donc je l'ai vu arriver vers moi. Donc il n'y avait plus grand lien entre la photo du petit élève de 6e, c'était la seule fois où j'avais vraiment vu sa photo, et puis le jeune homme qu'il était devenu. Il était vraiment dans la retenue, mais en même temps dans le charme. C'est-à-dire j'avais l'impression qu'il avait envie que je pense du bien de lui. J'ai eu l'impression d'être face à quelqu'un d'assez intelligent. Il s'exprime très bien. Il a une facilité d'élocution, il trouve facilement ses mots. Il ne parle pas une langue d'adolescente ou une langue de jeune. Il parle bien, posément, calmement. Et on sent que pour lui, c'est important. C'est-à-dire qu'il est tout le temps dans une forme de représentation. En tout cas, il donne un peu cette impression-là. Et ça, je l'ai ressenti dès le début. Et puis, il a accepté de me revoir une deuxième fois. Jean-Marc Pitt fait partie des 2 seules personnes à rendre visite à Pierre en détention. L'adolescent reçoit également la visite au parloir de son ancien professeur de mathématiques, touché par le destin criminel de ce mineur. En revanche, toute sa famille a coupé les ponts avec lui. Au cours des visites que je lui ai rendues, Pierre ne m'a jamais donné le sentiment de vouloir apparaître comme une victime. Jamais. Il était en rupture avec les gens de sa famille au sens large, mais ça ne semblait pas le détruire. Il n'y avait jamais la moindre plainte, justement, sur le fait d'être seul au monde. J'ai eu le sentiment que c'était quelqu'un qui avait une forte capacité d'adaptation. Il ne se plaignait pas, par exemple, de la prison. Il ne se plaignait pas d'avoir pris 18 ans. Il ne se sentait pas enfermé. Ça, c'est quelque chose qu'il a évoqué. C'est-à-dire qu'en fait, lui, ce qu'il affirmait, c'est qu'il se sentait enfermé dans son cercle familial. Et donc, à partir du moment où il a réussi à tuer ses parents, il se sentait d'une certaine façon libéré. Il se sentait plus libre en prison qu'au sein de sa famille. Il ne donnait pas l'impression d'être victime de sa vie, de ses actes. C'est-à-dire, ce qu'il avait commis, ça n'avait pas l'air de le terrasser. D'ailleurs, même plusieurs années après ce qu'il a commis, Pierre, qui est pourtant devenu un jeune adulte, n'exprime toujours aucun regret d'avoir assassiné ses parents. Il m'a très rapidement dit que il n'avait jamais regretté d'avoir tué ses parents. Il est vraiment dans la situation de quelqu'un qui estime qu'il a été maltraité par eux. Maltraité sûrement aussi par rapport à ce qu'il considère comme ce qu'on lui devait. Moi, il m'a donné l'impression d'avoir une haute idée de lui-même. Il avait l'impression d'être quelqu'un de bien et que ses parents auraient dû être conscients de ça. Il a confirmé le côté très, très exigeant de sa mère, très froid. Il avait, je pense, comme beaucoup de petits garçons, envie de plaire à sa maman. Et il a tout fait pour ça, c'est-à-dire que les bons résultats scolaires, le fait d'être un garçon mignon, le fait d'être bon au foot, le fait de devenir enfant de cœur, tout ça faisait qu'il avait l'impression de faire ce qu'il fallait pour que sa mère soit satisfaite de lui. Et elle semblait ne jamais être satisfaite. Et comme il se sentait plutôt déprécié par le regard de ses parents, bah, il en voulait beaucoup. Mais qu'en revanche, il ne comprenait absolument pas pourquoi il avait tiré sur sa sœur. Et en ce qui concernait son petit frère, ça le travaillait beaucoup. Il s'en voulait énormément d'avoir eu ce qu'il décrivait comme un geste réflexe pour lui tirer dessus. Et ça, il s'en voulait beaucoup. Il disait que ça pouvait même le hanter, le meurtre de son frère, la nuit. Il avait fait quelque chose d'irrémédiable, mais pas sur ses parents. En détention, Pierre est redevenu l'élève brillant qu'il était avant de devenir un adolescent criminel. Il a passé son baccalauréat avec succès en prison. Il avait réussi à avoir le bac en temps et en heure, à 18 ans, sans retard. Il a pu obtenir son baccalauréat, ce qui est quand même exceptionnel en détention, parce que même s'il y a l'enseignement qui est fourni, et il y a des conditions de suivi qui sont difficiles. Et puis l'atmosphère n'est pas trop à suivre des études non plus. Donc c'est assez rare qu'on arrive
un tel résultat dans le cadre carcéral. Aujourd'hui, près de 18 ans après la tuerie, Pierre a purgé sa peine. Il a reconstruit sa vie, libre, quelque part en France. Désormais, son histoire lui appartient. Pour sa petite sœur, malgré le temps qui a passé, les cicatrices sont toujours douloureuses. Il n'y a pas que les traces physiques qu'elle a encore en elle, puisqu'elle porte les impacts des plombs sont en elle. Il y a surtout et aussi des traces psychologiques qui ne peuvent pas être effacées. Le corps se reconstruit comme il le peut. Les cicatrices, elles se referment, mais il y en a qui ne se referment jamais. Ce sont les cicatrices de l'âme. Moi, je la plains, la gamine. Vous vous rendez compte comment oublier ça? C'est une page de son histoire qui est tellement lourde à tourner. Moi, je ne cherche qu'une chose, une seule chose, et je voudrais une seule chose pour elle, c'est qu'elle soit tranquille, qu'elle reconstruise sa vie, qu'elle fonde sa propre famille. Qu'elle ait un métier qui lui plaise et qu'elle soit heureuse. Moi, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est qu'elle soit heureuse.